ce point qui se déploie ici et qui va former un espace homogène et parfait. Donc ça représente quelque part la perfection de la création, ça représente le monde manifesté également, et c'est un déploiement du temps, évidemment. Le cercle représente le temps, représente les cycles. Et donc, c'est le temps de l'existence quelque part qui nous est donné, hein, ce cercle dans le zodiaque. Avec la croix, avec vos planètes, eh bien, va représenter cette existence qui se déroule, voilà, ce déploiement de cette existence. Et donc, il y a un symbole aussi qui représente très bien le temps, c'est, vous savez, l'ouroboros, ce serpent qui se dévore lui-même. Et donc, l'ouroboros, c'est un symbole tout à fait exceptionnel, qui représente vraiment, vraiment très bien ce temps qui se recrée, qui se dévore lui-même, un peu à l'image de Saturne Chronos. Vous savez que Saturne Chronos est représenté très souvent en train de manger, en train de dévorer ses enfants. Et donc c'est vraiment cette même symbolique finalement du temps qui s'engendre de lui-même, qui se crée de lui-même comme ça à l'infini, qui se dévore lui-même. Donc, une très belle symbolique à l'intérieur de ces images un petit peu dures. Et en parlant de temps, vous savez que les calendriers, donc la mesure du temps, ont été créés en Mésopotamie, hein, donc il y a extrêmement longtemps, moins 5500 avant notre ère. Et en Mésopotamie, finalement, on a regardé le ciel. Et on a vu les deux polarités du ciel, les luminaires, tout à fait exceptionnelles, ces deux luminaires, c'est cette polarité négative-positive, cette polarité céleste finalement qui permet à la mesure du temps, tout à fait exceptionnelle. Donc voilà, le cercle représente vraiment cet espace de création, ce monde, la manifestation du monde, la manifestation, on va dire en général, et le temps qui se déploie, l'existence qui va se déployer à l'intérieur de votre zodiaque personnel. Alors maintenant, le centre qui est un symbole exceptionnel, évidemment. Quand on parle, on dit, vous savez, ce qui est central, ce qui est fondamental. Donc on sait déjà de quoi on parle. Et donc, le centre est représenté généralement par un point. Et le point, on le place à la fin d'une phrase pour signaler un arrêt, donc un silence. Et finalement, ça fait référence, voilà, à ce silence entre deux notes, à cet arrêt entre deux mouvements, entre deux respirations, par exemple. Et donc, c'est un arrêt qui est fondamental pour la reprise d'un cycle. Et finalement, c'est un peu la raison d'être, le silence, c'est un peu la raison d'être de la musique, l'arrêt est un peu la raison d'être du mouvement, finalement. C'est des polarités comme ça qui sont dépendantes, l'une de l'autre. Donc finalement, pour que la musique existe, il faut aussi que ce silence existe, et la symphonie de votre existence, la musique de vos planètes qui est finalement, dans votre thème astral, est contenue dans ce point originel qui est le centre du zodiaque. Notre centre à nous, évidemment, c'est le nombril sur le corps, c'est un point extrêmement important. Dans le taoïsme, c'est un point qui s'appelle Shengjue, qui est l'entrée de la force vitale, donc c'est extrêmement important, c'est une porte finalement. Et le nombril, bien sûr, c'est aussi l'embryon qui est relié à la mère nourricière dans ce monde aquatique. Et là, on rentre vraiment dans le signe du cancer, qui est appelé aussi la porte des incarnations. Et donc, vraiment, cet espace nourricier qui permet à la vie. Donc, avec le cercle, on est vraiment dans la périphérie des choses, on est dans le mouvement, on est dans l'engendrement du temps, et avec le centre, on est vraiment dans quelque chose qui est immuable, où le mouvement n'a plus de raison d'être finalement, puisque le but de tout chemin initiatique, c'est justement ce retour au centre, généralement par l'immobilité. Donc on parle de centre, on parle d'immobilité, et c'est aussi pour ça que dans certaines pratiques spirituelles, dans certaines écoles spirituelles, on va méditer sur un point qui est en face de nous. Et donc bien sûr, cette concentration sur le point va permettre de réduire le flux de pensée, d'apaiser le mental, mais aussi de symboliquement d'opérer un retour à l'origine, au centre de nous-mêmes. Donc voilà, ce point dans le centre du zodiaque représente cette origine, représente Dieu, représente la divinité, l'absolu. On a vu que le cercle, ça représentait le temps qui se déploie, ça représentait l'espace manifesté, que le centre représente cet absolu. Et finalement, si on assemble ces deux symboles ensemble, on a le glyphe du soleil. Donc tout à fait incroyable, tout à fait exceptionnel. Et donc ce qui nous permet aussi de comprendre beaucoup mieux le soleil, ce qu'il représente. Le soleil va représenter justement
Ce centre immuable, cette origine qui va rayonner, c'est un principe de rayonnement de la lumière, rayonnement à la périphérie des choses, quelque chose qui va rayonner, qui va donner de la lumière, un rayonnement du principe lumineux qui vient éclairer toute la création représentée par ce cercle. Et donc vous savez que la création, l'œuvre personnelle, est représentée également par le signe du lion et la maison 5 en astrologie, qui est aussi une maison de création évidemment. Et donc c'est ça, c'est vraiment mettre le cœur au service de la création de l'œuvre personnelle, représentée également par ce glyphe du soleil qui représente finalement ce vers quoi on va être dirigé toute notre vie, ce vers quoi on va être attiré toute notre vie, vers ce centre gravitationnel qui permet de réaliser notre œuvre personnel. Donc voilà finalement un symbole extrêmement simple, le glyphe du soleil, mais vous voyez qui contient beaucoup d'informations, il y a beaucoup de profondeur à l'intérieur de cette simplicité. Donc, on a parlé du cercle, on a parlé du centre, maintenant nous allons parler de la croix, qui est une. La croix, c'est un symbole exceptionnel, ancestral, qui n'appartient à aucune religion, mais qui était repris par toutes les religions, bien sûr. Car il y a une grande symbolique à l'intérieur, il y a une grande métaphysique à l'intérieur de la croix. Donc on va parler de la croix essentiellement en référence au zodiaque aujourd'hui. Donc la croix, bien sûr, c'est fait de deux axes. Et l'axe horizontal va représenter donc une ligne qui va relier deux points, qui va permettre un lien entre deux choses et va créer un chemin. Donc ça va représenter un lien et également un chemin. Et donc voilà, finalement, la croix, c'est un rapport d'opposition. Vous voyez qu'il n'y a que des traits rouges. On a deux aspects d'opposition ici. C'est pour ça qu'il y a aussi cette phrase de porter sa croix qui renseigne sur des difficultés, quelque chose de lourd à porter et qui est vraiment centrale dans la structure métaphysique du zodiaque. Et donc c'est vraiment très intéressant cette phrase porter sa croix. Et finalement que cette épreuve qui nous est donnée par cette croix, ce centre du zodiaque, de notre existence finalement, car le zodiaque, eh bien c'est interne à nous-mêmes, eh bien cette épreuve va nous permettre une élévation personnelle, va nous permettre de nous dépasser et de nous transcender. On a finalement une transcendance terrestre d'aller découvrir le monde, d'aller nous imprégner des valeurs qui ne sont pas les nôtres finalement avec la maison 7, et vraiment une transcendance spirituelle avec l'axe vertical. On a tout au fond du zodiaque ici la maison 4, le signe du cancer, qui va représenter ce qui donne la vie, ce qui nourricier finalement. Et en haut du zodiaque, on a le Capricorne qui va représenter l'élévation et le dépouillement qui va permettre à cette élévation. Quelque part, on s'allège pour pouvoir accéder au sommet de notre montagne intérieure avec le Capricorne. Donc, il y a un élément qui donne la vie ici dans le cancer, et il y a un élément qui reprend la vie, mais pas dans le sens forcément de la mort, mais vraiment c'est un dépouillement de nos attaches matérielles, de nos attaches émotionnelles, finalement, pour, dans un silence intérieur, parvenir au centre du zodiaque, qui est vraiment, finalement, la destination, ultime en astrologie. En tout cas, dans une astrologie, qui est spirituelle. Mais en tout cas, l'axe vertical va renseigner dans votre zodiaque personnellement à ce chemin ascensionnel et transcendant. Et donc cette croix à l'intérieur, cette structure métaphysique à l'intérieur du zodiaque nous renseigne vraiment finalement sur la beauté de cette incarnation et que la souffrance peut être sublimée également. Cette croix est faite simplement d'opposition et de carré. Donc on se doute bien qu'il va y avoir des épreuves à l'intérieur de tout ça. Et l'existence est une épreuve en elle-même. Et donc voilà, il y a beaucoup de possibilités de sublimation finalement à l'intérieur de ça. Et donc pour donner un exemple très concret, même dans votre thème, la maison 7 va représenter, vous savez, c'est l'opposé de l'ascendant. Donc ça représente quelque chose qui est en dehors de nous, hein, et qu'il va falloir peut-être intégrer à nous-mêmes. Ce sont des valeurs qu'il va falloir qu'on intègre en nous-mêmes pour se réaliser. En tout cas, du point de vue de cet axe horizontal ici. Et donc, s'il y a un rejet de cette intégration, s'il y a un refus de cette tâche qui nous est donnée, eh bien, ça va se transcrire comme une frustration à l'intérieur de nous, comme vraiment un rejet finalement de ces valeurs qui sont représentées par le signe ici, dans votre zodiaque, en maison 7.
Et donc, c'est pour ça que c'est très important, finalement, de sublimer ces axes, de les transcender et d'intégrer ces valeurs à l'intérieur de nous pour vraiment notre réalisation personnelle. C'est extrêmement important. La croix représente aussi un principe vibratoire originel, hein, qui déploie finalement ce son dans les quatre directions. Ce son qui part du centre dans les quatre directions, qui va donner ça va donner des points de force finalement dans les angles du zodiaque, de votre zodiaque personnel ici. Donc ces angles sont extrêmement importants et sont vraiment, possèdent vraiment une force extrêmement importante. C'est pour ça que si vous avez par exemple des planètes qui sont conjointes aux angles de votre thème, elles vont faire partie de vos dominantes planétaires. Donc vraiment des points de force extrêmement importants. Par exemple, si vous avez Saturne qui est conjoint à la cuspide de 7, de la maison 7, eh bien c'est le monde extérieur, extérieur à vous-même, qui va avoir une teinte saturnienne. Hein. Donc un peu austère, un peu difficile, un rapport au temps, hein, évident. Peut-être les relations vont prendre du temps, ce genre de choses. Peut-être un renforcement des relations aussi avec le temps, tout genre de choses en rapport à Saturne. Hein. C'est le monde qui va avoir une teinte saturnienne avec ce genre de placement. Si vous avez Saturne conjoint à l'ascendant, eh bien c'est vous, c'est votre destinée qui va avoir une teinte saturnienne. Et donc, par exemple, vous pouvez avoir une vie intérieure qui est extrêmement riche. Vous pouvez vraiment aimer votre vie intérieure et votre solitude également. Hein. Vous êtes quelqu'un qui aimait être seul. Et voilà, une vie extrêmement riche, extrêmement profonde, mais peut-être avec un poids un peu lourd sur les épaules. Voilà ce genre de situation. Donc la croix est essentielle, et porter sa croix, cette fameuse phrase, eh bien c'est vraiment aimer son thème natal, c'est vraiment accepter son karma, aimer son karma, et finalement transcender cette expérience et cette épreuve qui nous est offerte. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la structure métaphysique du zodiaque. C'était Julien Moreto pour Logos & Noia et on se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo.